Et bonjour à toi qui est présent sur le live. On a quelques minutes de retard, mais on démarre. C'est les aléas du direct. Il a fallu corriger quelques données techniques. Et puis là, voilà, on démarre. Donc ce soir, le sujet, c'est l'amour est-il plus fort que l'amitié ? Est-ce que l'amour est plus fort que l'amitié? C'est le sujet que nous allons aborder ce soir. C'est un thème assez important. Je me souviens déjà avoir posé la question souvent à des personnes autour de moi. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Est-ce que c'est l'amour ou c'est l'amitié? Et j'ai eu toutes sortes de réponses. Variées, ma foi, en tout cas. C'est un thème qui ne laisse personne indifférent. Ça, au moins, il y a une chose à relever, c'est que ce thème-là, entre l'amour et l'amitié, ne laisse personne indifférent parce que c'est quelque chose qui nous touche tous dans le quotidien. Je pense que toi, ça te touche dans une certaine mesure. Tu as des personnes autour de toi, tu as des relations avec ces personnes-là. Ça peut être des proches, ça peut être de la famille, ça peut être aussi des amis, mais ça peut être une relation encore plus éloignée, ça peut être dans le cadre professionnel, artistique et tout autre type d'interaction qui te met en contact avec les autres. Et dans ces contextes-là, souvent, il est question de la gestion de ce type de rapport. Donc, le thème me semble très important, je pense qu'à toi aussi il l'est. Donc si tu veux participer à la réflexion, je te signale que le chat est ouvert si tu regardes cette vidéo en live, bien sûr. Par contre, si tu la regardes en différé et que tu estimes que tu as des choses à mentionner par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu vis toi de ton côté, tu peux le faire également sur les commentaires. Alors, petite vérification d'usage quand même par rapport à la voix. Que ce ne soit pas trop fort et que ce ne soit pas inaudible pour que le confort soit au maximum. Je vais donc aussi vérifier la présence sur le chat, je te rappelle. Donc tu peux participer directement en posant ton commentaire sur le chat en live, et tu peux aussi faire avancer de cette façon-là la réflexion. Si c'est la première fois que tu interviens sur la chaîne, si c'est la première fois, si tu découvres la chaîne JSM Instant Coaching, elle est basée, elle est fondée par mes soins, justement pour apporter un maximum d'outils qui te permettent à toi et aux personnes autour de toi d'avoir des relations plus épanouies jour après jour. Donc, si tu y es sensible, si tu penses que c'est une tâche qui est louable, alors tu peux aussi encourager l'évolution de la chaîne en t'abonnant directement ici, mais aussi en partageant ce contenu autour de toi, parce que de cette façon, comme j'ai plaisir à le rappeler souvent, de cette façon, d'abord tu fais signe à YouTube, tu le dis, tu montres à YouTube que le contenu a de la valeur, et donc l'algorithme YouTube va aussi accompagner ce mouvement en présentant le contenu à de plus en plus de personnes, et c'est comme ça que la chaîne va aussi grandir pour le bien de tous. Donc, l'amour est-il plus fort que l'amitié? Est-ce que l'amour est plus fort que l'amitié? Ça, c'est quelque chose d'assez difficile à aborder par certains côtés, mais aussi par d'autres, un petit peu aisé. Commençons déjà par dire, mais alors, c'est quoi l'amour? De quel amour est-ce qu'on parle?
Mais on peut aussi dire, mais de quelle amitié est-ce qu'on parle? Quel amour? Est-ce qu'on parle de l'amour entre deux personnes qui s'aiment? Mais oui, mais lesquelles? Est-ce que c'est un homme et une femme, de façon classique, une femme et un homme? Pour rester dans le classique, après, bien sûr, il y a l'amour entre hommes, il y a l'amour entre femmes, ça, c'est sûr. Est-ce que c'est l'amour romantique entre homme ou entre homme et une femme ou entre femmes? Est-ce que c'est l'amour que porte par exemple une femme, une maman à son fils, à sa fille, à ses enfants? Est-ce que c'est l'amour que portent des enfants vers leurs parents? Est-ce que c'est l'amour foudroyant? Quand on tombe amoureux de quelqu'un et que plus rien n'existe à part cette personne-là. Moi, je me souviens, j'étais en classe de troisième. Alors là, ça, je m'en souviendrai tout le temps. Il y avait une fille qui s'appelait Hélène, qui était dans la classe d'à côté. Et je ne sais pas, du jour au lendemain, je l'ai vue. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle est si belle, elle est si extraordinaire, si sympathique, si incroyable. Il faut que je lui parle. Il faut que je lui dise qu'elle est tout pour moi. Alors là, j'ai tout qui a chamboulé dans mon esprit. Et je peux dire que je ne sais pas, moi, pendant peut-être 3 mois, même 6 mois. J'allais en classe, je retenais pas grand-chose, je pensais qu'à elle le matin, je pensais qu'à elle à midi, je pensais qu'à elle le soir. J'étais tout émoustillé par cette présence. Alors, il faut quand même que je dise, à l'époque, la relation aux filles, c'était quelque chose de très compliqué pour moi, c'était insurmontable. Donc, cette fille, je la regardais. Jamais je n'ai osé l'aborder pour lui dire quoi que ce soit. Chaque jour, je me disais, bon, ça va être ce matin. C'est ce matin ou jamais. Et là, voilà, j'arrivais à l'étage qui consacrait donc la classe dans laquelle j'étais moi et la sienne qui était juste une classe en avant. Et elle était là, et elle attendait donc comme tout le monde le moment de la sonnette, et moi j'arrivais là au loin dans le couloir, je me disais, mais c'est là que tu vas lui dire, c'est maintenant. Et je me rapprochais, c'est maintenant que tu vas lui dire que tu veux lui parler, tu vas lui dire ça, ça va sortir. Aujourd'hui c'est sûr. Et le cœur complètement serré, hop, j'ai rentré dans la classe, je me disais, ah, heureusement il y a encore demain. Mais là, c'était un chamboulement total. Alors, si toi, dans les commentaires, tu as vécu ce genre de choses, ou peut-être des choses un peu similaires, ce serait pas mal de d'entendre ton expérience par rapport à ça. Mais toujours est-il que voilà, on est quelque part amené à préciser de quel type d'amour on parle ici, parce que effectivement, il y a des nuances à porter par rapport à cela. C'est vrai que quand on voit une maman qui est capable de soulever une voiture parce que tout d'un coup elle pense que cette voiture va écraser son fils, on peut se dire là que l'amour, il est plus fort que tout, parce que il permet de démontrer des capacités carrément physiques qui sont de toute façon, par d'autres contextes, presque inatteignables. Et cela est mu par cette puissance à aimer un être qui est cher. Et on a souvent entendu parler dans les anecdotes de ce genre de comportement exceptionnel qui peut augurer dans des situations aussi délicates que, par exemple, un incendie ou un renversement par une voiture, des choses comme ça. Donc,
cet amour-là montre puissant. Donc, quelle est la perspective à donner à cette question? Est-ce que l'amour est donc plus fort que l'amour? Je pense qu'on peut le voir sur trois volumes. Déjà, on a commencé par... Il y a tellement de façons d'aimer, romantique, fusionnel, passionné, platonique et transcendante, inconditionnelle, l'amour d'une mère vers son fils, vers sa fille, l'amour aussi d'un père vers son fils, vers sa fille. Et puis il y a les amours romantiques entre des adultes et des adolescents, il y a toutes sortes d'amours, mais je pense que c'est le cas aussi pour les amitiés. Les amitiés sont elles aussi de toute nature, et que finalement, à chaque contexte particulier amical, on a aussi une dose d'intensité, une dose de substance, une dose de solidité par rapport à cette amie. Donc, du coup, je pense qu'il faut l'aborder sur trois volets, cette histoire d'amour et d'amitié. Si je commence par dire que l'amour est carrément plus fort que l'amitié, je pense que dans une certaine mesure, ça peut se tenir. Alors, on va essayer de voir en quoi. En quoi est-ce que ça peut se tenir? En quoi est-ce que l'amour est plus fort que l'amitié? Avant cela, petit détour par le chat pour voir ce qui s'y passe. Et pour cela, je prends mon téléphone. On va aller voir le monde qu'il y a. Il y a beaucoup de monde. Non, mais... Alors, l'amour est plus fort que l'amitié. Je pense que pour ça, donc, pour le dire réellement, top chat, je vais mettre ici ton commentaire. Et suggestions sont les bienvenues. Voilà. Ça, c'est pour le live, bien sûr. Mais quand on est en différé, les commentaires, bien entendu. Et j'apporte ma réponse s'il y a des questions précises par rapport à la vidéo. En quoi est-ce que l'amour est plus fort que l'amitié? Je pense que, dans une certaine mesure, l'amour l'est. Et s'agissant, par exemple, de l'aspect hormonal, l'amour, quand il est défini sur un plan physique, être amoureux d'une personne, par exemple, ça a quelque chose d'assez symbolique au niveau biochimique. Hein. On a une décharge hormonale ocytocine qui est plus que la normale. Et on se sent poussé des ailes. On se sent conquérant du monde entier. On peut parcourir toute la planète pour l'être aimé. On entend souvent ce genre de discours, et donc par ces côtés-là, c'est vrai que l'amour, quand on l'entend sous ce visage-là, est d'une force parfois insoupçonnée. Et c'est le cas, par exemple, des couples qui se fiancent, c'est le cas d'une histoire très romantique, très passionnée, d'une histoire même fusionnelle. En tout cas, très certainement, dans les débuts, quand elle commence, cette qualité, cette puissance, qui est bien sûr assez biaisée, parce que là, à ce moment-là, sont des jets émotionnels qui sont tout en avant. L'esprit logique est carrément mis sur le côté. Bien entendu, il n'y a pas encore cette observation authentique des caractères, il n'y a pas encore tout ce qui peut emmener d'autres nuances dans la qualité relationnelle à ce moment-là. Et donc, en tout cas, là,
de façon très nette, il y a une puissance que personne ne peut nier, en tout cas en vue de la relation, quand cela se passe dans ces conditions-là. Après, c'est vrai que avec cette plateforme hormonale, avec ces rapprochements, cette symbiose qui s'installe de façon assez organique, il y a la force du moment présent qui est vécue assez passionnément, intensément, et en même temps, il peut aussi y avoir de la projection, c'est-à-dire que j'entendais encore un ami me dire pas longtemps, parce qu'il avait rencontré une femme qu'il pensait être sa compagne, il me disait, tu sais, Serge, là, ça, c'est la femme de ma vie, c'est elle, je me vois qu'avec elle, je ne peux pas concevoir mon jour, mon quotidien sans la présence de cette femme. Elle est vraiment tout ce que j'ai, tout ce que j'imagine d'une femme, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qui peut me permettre d'être un homme réalisé. Donc, le discours était dithyrambique, il était exceptionnellement emphatique. Évidemment, si tu es tombé amoureux, je pense que tu n'es pas non plus étranger à ce genre de discours qui peut être débordant d'enthousiasme, de puissance et même d'inspiration. Et donc, c'est vrai que l'écouter dans cet état, le regarder parler, je me disais, waouh, c'est quand même impressionnant cet effet de l'amour. Et donc, à cela, quand même, on peut reconnaître qu'il y a quelque chose d'assez magique à l'amour dans cette configuration-là. Et donc, je disais, la qualité hormonale, mais aussi la force de la projection. De la projection qui peut être très, très inspirante, mais aussi très marquante, très interpellante. Donc, un troisième point par rapport à ça, ça peut être ce que j'appelle un peu l'autorité, l'institution. Par exemple, c'est vrai que autant l'amitié peut être quelque chose d'assez fort, d'être une ressource assez puissante dans le quotidien, autant c'est quand même l'amour qui a dans les institutions en tant que telles, je parle en tout cas pour les civilisations organisées, modernes, on va avoir quelque chose d'officiel déclarant deux êtres proches par l'amour. Le mariage et toutes sortes de choses, de pacs, etc., sont quelque part l'autorité qui vient sceller ce rapprochement, cette symbolique de l'amour et qui vient aussi l'afficher comme officiel, le présenter comme statut engageant des responsabilités de part et d'autre, effectivement, mais montrant à la face du monde et des autres qu'il y a quelque chose qui se passe entre deux êtres qui s'aiment, et cette chose-là est authentifiée par le mariage. Donc ça, mariage, quelque chose d'officiel, je dis bien, il y a toutes sortes de contrats qui permettent en tout cas cette validation-là. Du coup, par ce biais-là aussi, dire que l'amour est bien fort, bien plus fort que l'amitié, parce qu'il n'y a pas, de contrat amical qui soit officiel, qui te permette d'aller pérorer chez le voisin et de dire que voilà, moi j'ai mon ami et voilà, tout le monde doit le reconnaître, etc. Donc, par rapport à cet espace-là, on peut dire que l'amour est quelque part plus fort que l'amitié. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres observations à produire par rapport à ça, c'est vrai. Mais avant, petit détour par le chat.
où je vais remettre un petit mot. Donc, on est en train de parler ce soir, dans cette vidéo, si tu regardes en différé, dans cette vidéo, on est en train de parler de l'amour et de l'amitié. Est-ce que l'amour est plus fort que l'amitié? Et on a abordé déjà un premier point en disant, on part du fait, du principe que oui, voilà. Allez, parce qu'on va l'aborder en trois points. C'est-à-dire que l'amour est plus... On a essayé de regarder en trois points. Il y en a d'autres, mais je pense que en mentionnant ces trois points-là, on a une synthèse qui est assez parlante. Et évidemment, on peut rajouter d'autres éléments, y compris ton expérience personnelle, et étoffer la réflexion de cette manière-là. Mais voilà, c'est quelque chose qui me semble assez synthétique, assez représentatif de ce premier aspect des choses. Donc, le deuxième volet serait... l'amitié plus fort que l'amour. Bah oui, c'est-à-dire que... l'amitié plus fort que l'amour. En quoi est-ce que l'amitié est plus fort que l'amour? Alors, l'amitié a pour autant, a pour lui, le fait qu'il n'engage pas, en tout cas, de façon assez substantielle, la charge émotionnelle que l'on connaît lorsque l'on se passionne pour quelqu'un en amour. L'amitié va aller vers, par des bases beaucoup plus équilibrées, et d'entrée de jeu en amitié, alors, c'est vrai, je l'ai mentionné au tout début, il faut aussi parler des différentes amitiés dans leur qualité. Les amitiés fugaces, les amitiés circonstanciées, les amitiés de circonstances, comme j'ai dit, les amitiés qui sont occasionnelles, les amitiés pour des intérêts précis, limités dans le temps, ou alors des amitiés longues, solides, des amitiés désignées comme telles, des amitiés voulues, des engagements pris de part et d'autre pour un objectif relationnel précis, construit autour de valeurs, autour de croyances, autour d'une vision. C'est plutôt de cette amitié-là dont je veux parler aujourd'hui, c'est-à-dire une amitié qui est déterminée, qui est voulue, qui est intentionnellement vécu de part et d'autre avec un engagement assez clair de part et d'autre. Je ne parle pas de cette amitié subie qui est organique, qui finit par être parce que le temps a fait que. Ça, c'est encore autre chose. Je parle de cette amitié réellement prévue, planifiée comme telle, avec l'idée de se renforcer mutuellement, l'idée de s'accompagner mutuellement, l'idée de se soutenir mutuellement, l'idée de se tenir l'un à l'autre, l'idée d'accueillir les faiblesses de l'un et de l'autre, l'idée d'avec les faiblesses de l'un et de l'autre, pour continuer de construire quelque chose de solide, autant individuellement que collégialement, c'est-à-dire une amitié voilà, de gros calibre. De cette amitié-là. Bon, alors... Quand je dis, là, dans cet espace, que l'amitié, cette amitié-là est plus fort que l'amour, c'est parce que dans un angle qui est celui du respect, de la considération, eh bien, il y a quelque chose d'établi d'entrée de jeu qui est déjà beaucoup plus puissant, beaucoup plus clair que ce que l'on peut avoir dans l'amour, déjà. Et puis, par contraste, le que... l'idée de l'équilibre n'est pas forcément respectée dans l'amour de romance, parce que si on s'en tient, ne serait-ce qu'aux statistiques qui nous disent que voilà, un couple sur deux divorce après s'être marié avec des feux d'artifice, etc.,
on peut dire que voilà, l'équilibre qui semble peut-être opérant au début ne peut pas être tenu sur la durée, qu'il est parfois même assez rapidement consommé. Je parlais à une personne qui me disait que voilà, elle s'est mariée pendant 3 mois et au bout de 3 mois, elle divorçait. Et que je trouve quand même assez rapide, mais je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit le record. Je pense qu'il y a beaucoup plus court que ça comme intervalle de mariage. Il y a des personnes qui doivent divorcer assez rapidement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la raison pour laquelle on se marie, qui peut être l'amour, finalement montre une instabilité qui est assez rapidement marquée par la séparation. Et ça, c'est quelque chose qui se distingue en amour et qui ne sera pas forcément le cas dans une amitié, je dis bien, voulue, autorisée ou identifiée comme telle, où on se donne les moyens de pouvoir corriger les petites imperfections qui peuvent occurrer et aussi donner les moyens de grandir ensemble. Ce n'est pas le même angle. Et donc, il y a une force qui est établie comme telle, qui se distingue de la force amoureuse. Alors, je me souviens d'une personne qui prenait les cours de salsa chez moi, qui me disait, mais tu sais, le vrai amour, il est chez les animaux. J'ai essayé d'aimer des hommes et tout ça, je n'y suis jamais arrivé. Mais avec mes 9 chats, je n'ai jamais de problème. Je me disais, avec les chats, je n'ai jamais de problème. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont aussi ce témoignage, qui disent que par exemple, les humains, c'est un peu compliqué de parler d'amour avec les humains parce que c'est des entités qui ne sont pas si fiables que ça. Alors que quand tu as l'amour d'un animal, il est présent, il est là, il va. Ce n'est pas le cas des humains. Donc du coup, la préférence de ces personnes-là va vers les animaux, parce que voilà, c'est une qualité supérieure en termes d'amour qui leur est offerte par rapport aux humains, aux hommes, etc. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Est-ce que tu crois que l'amour est plus fort que l'amitié lorsqu'il devient interspéciel, c'est-à-dire que lorsqu'on a un amour qui franchit la barrière de l'espèce et qui, là, s'installe, pour le coup, entre des humains et des animaux. Est-ce que tu penses que cette qualité d'amour, là, a beaucoup plus de force, qualité peut-être amicale avec d'autres êtres humains? C'est une façon d'aborder les choses, qui est aussi envisageable. Alors, j'ai donc dit dans un second temps que l'amitié apportait par son engagement l'idée de respect, l'idée de la considération, l'idée de la loyauté et aussi déjà d'entrée de jeu l'idée de la responsabilité. C'est-à-dire que la notion de responsabilité pour soi et pour l'autre, pour soi et pour la relation, pour soi et pour la relation, et quelque chose dans une amitié proactive, les notions de respect, de considération et de loyauté, de responsabilité sont assez denses. Elles permettent de soutenir, d'encadrer une relation de façon assez
puissante, assez stable pour tenir les choses d'un côté comme de l'autre. Si bien que tout en étant complètement différent, tout en ayant des aspirations même différentes, des valeurs, des codes, des valeurs différents, le fait d'établir cette plateforme de cette façon-là montre par certains côtés la stabilité plus forte qu'en amour, beaucoup plus forte qu'en amour, la stabilité d'une relation qui va continuer d'avancer même si au devant il y a des difficultés, il y a des imprévus, il y a des tournants, des couacs, etc. La proactivité, l'encadrement, la stabilité vont faire en sorte de bousculer et de bousculer les obstacles et d'avancer, de maintenir un lien, quoi qu'il arrive. Alors, c'est vrai que, en contraste, l'amour, par exemple, comme l'amour est souvent dans sa qualité romancée, même dans sa qualité platonique, relationnelle, conditionné par un grand lot émotionnel, et que les émotions sont nature des entités fortes et aussi instables, eh bien, ce qui peut se passer dans ces choses, c'est que dans ce genre de relation, toute conduite par l'amour, l'amour puissant, etc., c'est que la stabilité ne soit pas garantie. Stabilité ne soit pas garantie que à un moment, c'est « je t'aime, tu représentes tout ce qui est possible d'avoir pour moi » et puis le lendemain, « mais je te déteste, tu es vraiment la pire des personnes qui me soit donné de rencontrer sur cette terre. Comment ai-je pu faire pour me rapprocher de toi ? Mais c'est pas possible, mon Dieu, mais où avais-je donc la tête ?» Ce genre de discours que je prononce là n'est absolument pas rare. Au contraire, c'est souvent le cas dans les séparations, qu'elles soient officielles, je veux dire, d'un mariage, ou les séparations beaucoup plus informelles, sont souvent le contraste émotionnel assez marqué. Parfois on s'est dit, mais c'est vraiment les deux qui s'étaient rencontrés, qui s'étaient jurés amour et fidélité pour tout le temps. On a du mal à croire. Mais ceci s'explique par entre autres, mais aussi quand même de façon substantielle, par la qualité instable, la nature instable des émotions. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à écouter ce discours. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas ne pas aimer avec des émotions. Ah, ben oui, mais ça, c'est sûr. Parce que les émotions sont là pour pousser l'organisme dans le mouvement. C'est-à-dire l'organisme, l'esprit, le corps, le devenir, tout ça utilise comme essence dans l'étymologie du terme, je veux dire, l'essence, le carburant, ce sont les émotions. Cependant, là, ça n'empêche, il faille reconnaître d'un côté la qualité instable des émotions. Alors oui, on trouve une relative stabilité quand on aborde le cas de l'amour parent-enfant. Les mamans diront souvent, et j'en ai rencontré plein qui me disent, tu sais, dans ma vie, mon enfant, c'est toute ma vie. Je ferai tout ce qu'il y a de possible pour mes enfants, pour mon enfant, parce que c'est l'amour de ma vie. Et j'en connaissais une particulièrement qui me disait ce discours-là assez fréquent. Il n'empêche que dans le même temps, par exemple, lorsqu'elle rentrait cette maman chez elle et que
Par exemple, elle trouvait que les tâches ménagères qui devaient être accomplies par ce même enfant n'étaient pas accomplies, ou qu'une commission qui devait être effectuée, ou toute autre chose qui devait être remplie mais qui ne l'avait pas été, se mettait dans une colère, mais ouf, indescriptible, le traitant de tous les noms. Non, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que tu peux te comporter comme ça? Moi, je te demande pas grand-chose, je te demande juste de faire ceci, ne fais pas, mais c'est incroyable. Je me disais, mais dis donc, c'est cet enfant qui est censé être. Est censé être tout dans sa vie et qui là est décrit comme la plus grande entité maléfique de la terre. Et bien là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, l'émotion n'est pas quelque chose de stable. Donc du coup, forcément, ça crée des grésillements si on veut tout baser sur la qualité émotionnelle. Donc, j'aime la force de l'amitié par rapport à l'engagement qui prédomine sur l'esprit, qui prédomine sur l'idée de la responsabilité, l'idée de la réciprocité, l'idée de la loyauté. Bien sûr, je le dis, je le redis, c'est très important de comprendre ici qu'on ne parle pas de l'amitié. D'ailleurs, si tu découvres la chaîne, sache qu'il y a sur cette chaîne plein de vidéos qui peuvent t'aider à discerner, disséquer ton entourage pour savoir qui, en fait, dans ton quotidien, apporte des influences positives, qui apporte des influences négatives, et donc par conséquent, qui sont réellement des amis autour de toi, des amis dans le sens où je l'entends ici dans cette vidéo, ou alors quels sont les amis qui sont là en tant que intéressés, en tant que profiteurs ou autre personnalité psychologique qui te soit complètement néfaste. Donc tu peux aller trifouiller sur la liste et tu verras qu'il y a des vidéos intéressantes et tu pourras toi aussi d'ailleurs prendre quelques outils qui t'aident à mieux observer, mieux vérifier ce qui se passe du côté de... Allez, un petit tour sur le chat. Et je te rappelle dans le même temps, si tu regardes cette vidéo en différé, que tu peux poser ton commentaire et dire par exemple, pour toi, si l'amitié et que tu ne te poses pas de questions, tu penses que elle peut avoir aussi ses arguments et sa positivité, des choses que qui n'ont rien à envier à l'amour. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Salut papa. L'amour, c'est pas que je t'aime, c'est aussi d'autres choses. Et pour moi, l'amitié est plus forte que l'amour. Mais qui est-ce? L'amitié est plus forte. Et pour moi, l'amitié, je soupçonne Gilles Chris. C'est bon, Gilles Chris. Mais je ne saurais pas. L'amitié est plus forte que l'amour. Donc, l'amitié est plus forte que l'amour. Ben, c'est ce que j'explique. Coucou Gilles Chris. C'est ce que j'explique ici, donc coucou Naoko, coucou Ludi. C'est ce que j'explique ici, mais seulement dans un certain angle, parce que, évidemment, tout est nuance. Si on avait des réponses définitives à tout, il y a longtemps que les philosophes ne se seraient plus attardés sur les questions, la religion aurait tout résolu, bref, tout serait clair, même la science nous aurait dit exactement ce qu'il faut faire, mais... on voit bien que tout est nuance et que même là aussi, autant j'ai donné donc les premiers points assez spécifiques sur l'amour,
autant sur l'amitié qui prédomine dans l'amour, je parle sur cette phase d'engagement, de prérogative, de loyauté, de réciprocité, de responsabilité. Et je souligne en quoi cela peut garantir une certaine stabilité pour un système qui est souvent exposé à des zones d'interférence, des conflits, des malentendus, des incompréhensions, des surprises, etc. Ayant proactivement dessiné une plateforme qui permette de faire face à ça, c'est beaucoup plus manageable, c'est beaucoup plus gérable d'avoir un système comme ça que d'avoir un système uniquement basé sur l'amour. Donc, ça, c'est le point qui montre la force de l'amour et qui montre le point. Parce que je regarde en même temps le chat pour voir s'il y a des réactions du coup. Il faut rester concentré là. Donc, qui montre la force de l'amitié par sa stabilité. Maintenant, dans un troisième point, je pense qu'il faut parler là aussi de maintenant de ce que, en fait, ces deux champs interactionnels se superposent et confluent pour pouvoir apporter le meilleur de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, on a souligné en premier la force de l'amour, on souligne en deuxième la force de l'amitié, mais finalement, je l'avais lu quelque part, je ne sais plus où, que les deux vont ensemble dans le sens où l'amitié encadre l'amour. L'amitié encadre l'amour. Moi, je pousserais même les choses plus loin en disant que l'amitié est ce qui permet de canaliser l'amour. L'amour, au sens romantique, l'amour au sens platonique, l'amour au sens relationnel, fusionnel, etc. C'est un mouvement très puissant, énergétique, où il y a des grands aspects pulsionnels aussi, qui sont assez forts. Et j'ai cité l'exemple de cette fille quand j'étais en troisième et qui m'avait fait oublier carrément tout ce qui existait autour de moi, sauf elle. Et voilà, c'est la force pulsionnelle de l'amour. Mais l'amitié a cette stabilité en cadre, permet de gérer, je parle bien de cette amitié éduquée, j'insiste, ce n'est pas l'amitié organique où parce que j'étais connu dans tel endroit et qu'on fréquente tel endroit là, alors on est des amis. C'est vrai ça, je l'entends souvent, mais d'ailleurs, en jiu-jitsu brésilien, on est des amis parce qu'on fait du jiu-jitsu brésilien, mais non. on se rencontre au jiu-jitsu brésilien, donc on se connaît par le jiu-jitsu brésilien. On sera des amis quand on aura décidé d'être des amis. Je l'ai connu ça aussi dans le milieu de la danse, où on est des amis parce qu'on fait de la salsa. Non, on se rencontre souvent dans la salsa, mais si on veut être des amis, alors on décide d'être des amis et là on le sera. Alors évidemment, avoir une expérience commune fait partie des ressources amicales, c'est-à-dire que forcément des personnes qui se connaissent traversent des situations mises en commun pour créer une histoire amicale, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas parce que on se trouve plongé dans des contextes, par exemple de sport ou d'entreprise ou de loisirs, de travail, d'art, qu'on devient des amis. Il y a des personnes qui pensent on est dans un groupe musical, alors on est des amis. Non, on fait de la musique ensemble. On est décidé d'être des amis. Et la preuve, toujours, et d'ailleurs la preuve, la seule preuve, est que tu prends le sport, jiu-jitsu brésilien. À partir du moment où des personnes qui sont amies ne fréquentent plus le jiu-jitsu brésilien, elles ne se fréquentent plus. Tu prends la danse, c'est la même chose. Tu prends la musique, tu prends les entreprises, tu prends quelques milieux que ce soit. C'est seulement d'avoir décidé de poser une amitié
de s'engager dans quelque chose qui peut créer substantiellement une relation dite amicale au sens où je l'entends. Mais laisser l'ambiance, laisser les tâches définir pour toi l'amitié, c'est commettre une grande erreur. Par exemple, je dis la même chose aussi pour les familles. Le fait d'être dans une maison, le fait de partager le quotidien ensemble, ne dit pas que vous êtes en train de développer une relation familiale. Mais non. C'est des murs qui vous maintiennent ensemble. La qualité vient de la qualité. Et comme la qualité est rare, c'est-à-dire que la qualité demande un effort, c'est en seulement en devenant proactif dans la définition de la relation amicale, familiale, etc., que la relation émerge comme telle et peut se jouer des murs, peut se jouer de l'espace, parce qu'elle va être créée à partir de valeurs, d'une charte de valeurs partagées, une charte de croyances partagées, pour lesquelles les personnes impliquées vont s'engager proactivement et vont définir un système de réparation en cas de problème. Voilà d'où vient la qualité. La qualité n'est pas improvisée. La qualité n'est pas un effet de mur. Les murs qui... La qualité n'est pas un effet de fréquentation d'un endroit. Tiens, on est des amis. Parce qu'on fréquente, parce qu'on fait le sport ensemble, nous sommes des amis. Mais non, nous sommes des personnes qui nous connaissons au sport. Nous ne sommes pas des amis. Nous pouvons devenir des amis. Mais pour cela, ça demande d'autres étapes supplémentaires et notamment des conversations. Alors, conversations, c'est un sujet de thème très fort à la chaîne. Et tu peux en avoir quelques-unes des vidéos sur les conversations en regardant les playlists. Donc, j'ai dit les choses un peu de façon adjacente. Là, je pars sur les conversations, la définition amicale, familiale, etc. Mais tout ceci se rapporte aussi au sens de la solidité, du lien, de l'engagement, etc. qu'il est aussi important de mentionner ici. Donc, je disais, les vidéos, tu peux les retrouver sur les playlists et comme ça aussi te faire une idée sur ce que c'est que la qualité conversationnelle quand elle est abordée sous cet angle-là. Donc, ce n'est pas le confort des murs, ce n'est pas le confort d'une activité qui va définir la solidité d'une amitié, mais l'engagement, comme je le disais. Et dans ce sens, l'amitié tient quelque chose de puissant, de solide. Et c'est dans ce format-là qu'il est aussi assez exceptionnel comme cadre pour l'amour. Donc, l'amour, cette force énergétique, cette force hormonale, cette force créative, cette force pulsionnelle qui peut venir stimuler les cœurs de personnes bénéficie d'autant plus d'un cadre posé, systématique, dans le respect, dans la considération, dans la réciprocité, la loyauté, la responsabilité pour chacun et pour la relation. L'amour, tant est dans ces conditions-là, s'installe dans quelque chose de stable et de solide. Donc, pour le coup, moi, j'aime à dire que ce n'est pas possible d'aimer quelqu'un, ce n'est pas possible d'être en amour avec quelqu'un si, quelque part, dans cet amour-là, il n'y a pas d'abord une profonde amitié. Alors, les deux peuvent ne pas être concomitants. On peut commencer par être amis et puis après l'amour vient. On peut commencer par avoir énormément d'amour et puis après l'amitié vient. Mais à un moment donné, c'est l'un qui encadre l'autre, l'autre qui fait vivre l'un. Et c'est ce cercle vertueux entre l'amour et l'amitié qui construit une relation dans le temps. Moi, c'est dans ce sens que je pense que à un moment donné, ce n'est pas l'amour qui va être plus fort que l'amitié. Ce n'est pas l'amitié qui va être plus fort que l'amour.
c'est l'amour et l'amitié qui vont, par leur parfum considérable, leur parfum unique, s'entremêler et créer une sorte de symphonie qui fait que, à des moments, ce sera plutôt émotionnel pour faire vivre quelque chose, puis à des moments, ce sera spirituel pour faire avancer quelque chose dans l'idée que l'amitié prend pour principe l'idée que les êtres changent avec le temps, et l'amour, qui est atemporel, se charge de créer de la nouveauté émotionnelle pour chaque nouvelle facette affichée des personnes dans une relation. Donc, oui, l'amour est plus fort que l'amitié, dans une certaine mesure. Oui, l'amitié est plus fort que l'amour, dans une certaine mesure. Et enfin, l'amour a besoin de l'amitié, l'amitié a besoin de l'amour, dans l'expression qui semble être la plus stable, la plus aboutie pour se renouveler avec le temps. Voilà comment je voulais aborder cet aspect des choses avec toi ce soir, ou au cours de cette vidéo si tu la regardes en différé. J'espère que tu en as pris beaucoup de ce qui est positif. J'espère que tu as appris quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, je t'invite donc à faire un commentaire, bien sûr. Ton commentaire m'intéresse parce que, évidemment, me permet de voir un peu des perspectives autres. Si tu penses différemment, ton commentaire m'intéresse aussi. En tous les cas, si tu découvres la chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner. Et bien sûr, je te dis à la prochaine vidéo.